Oh là, ouais, l'équipe. Comment ça va? Yo les gars, qu'est-ce que tu fais à l'aéroport? Bah, c'est bizarre ça. Bah, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on fait à l'aéroport? Mais t'es là toi, tu es pas. Non mais je voulais juste montrer ta belle barbe qui est inexistante. Wesh, on était pas dans le même train nous deux. Les gars, comme vous pouvez le voir, on est à l'aéroport à Orly. Est-ce qu'on dit la destination tout de suite? Let's go to Ibiza. Let's go to Ibiza les gars. Est-ce que tu crois que là je suis reconnaissable dans l'aéroport? Ça dépend. Il est où Michou? Il est où Michou? Il est où? Non, c'est bon, il est pas là. C'est un camouflage, ça fait un peu trop Rosta quoi. Timoud, t'es là toi? Elle porte ton dégradé là, faut voir ton dégradé. Oh là 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 là. Bizarre, mais t'as le même. Je vous ai pas fait voir. Un dégradé, ça. T'as les ouf. Est-ce qu'on présenterait pas un peu tous les gens qui font partie de ce voyage? Les gars, dans ce voyage, il y a Piwer, moi. Ça va commencer par toi, c'est mal poli. Hein. Les gars, dans ce voyage, il y a Michou, le Mi, il y a le Timout, le Mout, il y a le Sly, le Y, il y a Esteban, le S. Et il y a Matt Kev, toujours en train de travailler. Voilà, il est au téléphone. Matt Kev, ça va être un peu l'homme de l'ombre. Ouais. Il va être là pour nous aider à plein de choses. En fait, je vous explique. Matt Kev, il est juste là parce que lui, il est pas encore majeur. Tu vois, c'est son surveillant, tu vois. Ah, le bâtard. Il te surveille. T'es un enfant, t'es un bébé. Ibiza. Il a oublié ses cartes. Je veux ma qualité, mais je me permets si vous voulez. T'as pas ta. Timout. J'ai pas ma carte d'identité. Non, Timout, tu nous fais pas ça, t'as pas. J'ai pas ma carte d'identité. T'as pas. Non. Mais après, j'ai plein d'autres papiers si vous non, voulez. Non, hein. Il faut la pièce entière ou pas ça. Tu l'as pas en photo? Je te jure, je l'ai pas. En photo, ça passe. Comment pas. Ça, tu l'as pas? En photo, je l'ai. Ça passe pas. Non. Comment ça, tu l'as pas? Tête de Wam, je l'ai. Mais je t'ai demandé 20 fois. Mais j'ai tête de Wam que je l'avais. Timout. Oh, je l'ai pété un peu. Je l'ai pété un peu aussi. Oh, je te jure, je l'avais hier. J'ai demandé 20 fois, gros. Non. Je suis désolé. Par contre, là, c'est pas drôle. Je suis désolé. C'est réel. Ça, c'est les boulets en voyage. Mais non, mais c'est bon, t'inquiète. Mais t'inquiète, tu sais que s'il l'a pas, c'est bon. Si j'ai plein d'autres papiers. Non. Mais j'ai plein d'autres trucs. Mais oui, j'ai ma carte bleue, j'ai non, tout. Non, ça marche pas. Tu prends pas. Non, la tête de Wam. Mais je te jure que je l'avais hier, frère, ça m'énerve. Je me casse la tête. Je te jure. Il a gâché son propre voyage parce que là. Et tu vas voir où? Mais non, mais là c'est un drama, il love. Ah, tu te fous? Non, vas-y, dis-moi que c'était une blague, s'il te plaît. Regarde tout ça. Tu es sûr que tu peux pas tout ça? Tu l'as déjà fait? Mais fouille! Ça veut dire que si t'as pas ta carte d'identité avant midi, c'est mort. Voilà. Tu cherches là, cherche. Le mec, attends, c'est le mec qui habite le plus loin. C'est celui qui a oublié sa carte d'identité. J'ai trop le seum pour lui. Hein. Non, mais par contre, j'ai vraiment le seum. Matt Kev, il serait pas venu. Esteban, c'était la même, il avait pas sa carte d'identité. Et c'est hier quand j'ai fait mon sac, j'ai pas mis de caleçon. T'as pas mis? T'es sérieux? Non mais jure. Il vient de niquer son voyage et même notre voyage. J'ai trop le seum qu'ils sont pas là. Les gars, c'est vraiment pas une blague. Là, vous vous dites peut-être que c'est une blague, mais quand vous allez voir qu'on sera Ibiza sans Timout, là vous allez capter que c'est pas une blague. Il a vraiment oublié sa carte. C'est carrément le sgeg. Vraiment, tu sais que j'ai le seum de fou. Non mais c'est un sgeg. Timout, c'était le truc à ne pas oublier. Par contre, j'ai le seum. Trop le seum. Mais gros, faut que tu prennes un billet pour demain. Mais c'est ce que je lui ai dit. Faut que tes parents t'envoient la carte d'identité par la poste ou un truc du genre. Et jamais je l'aurai pour demain. Et tu vois la déception sur ta visage. Bah, il y a aucune solution. Du coup, en vrai, il va tracer et ça va. Il y a un vol, il peut venir demain après. Les gars, vlog, jour 2, Timout sera là. Ouais. Le jour 2, déjà, là, ils viennent vous dire qu'il y avait plusieurs vlogs qui allaient sortir. Les gars, sachez qu'il y a que moi qui connais la villa. Et je suis trop content parce que d'habitude dans les vacances c'est que Dobby qui connaît tout, moi je connais rien. Là je connais tout, eux ils connaissent rien. C'est le moment OP. Abonnez-vous à Michou, il a besoin. L'aventure du Timout, on verra ça de son côté, hein. Peut-être en story, vous partagera sa galère. Parce que là, grosse galère qui s'annonce pour Timout. Et là nous on va devoir y aller, hein. Ah non, attends, tu vas en Bretagne. Tu prends la carte, hein. Avant de repartir. Non mais bah, imagine. Eh, par contre, fais Bélec, hein. Slide. T'as déjà pris le. Ibiza. Non, c'est Ibiza. On a Nathan, il est où? Il est là, regarde. Il est là-bas, regarde. Il galère pour sa valise. Il est là. Regarde, on va le galère. C'est qui? Attends, on savait pas, mais on a failli perdre Piwer. Parce que là, on est méga en retard. Et il y avait un problème à la douane, on a failli le perdre. Dans la valise, il y a tout mon matos. Mais c'est ça, à la fin, en fait, on va perdre tout le monde. Mais tu sais pas courir! Tu sais. Ah! Est-ce que Timout t'a faim? On va taper un Timout, il a faim ou quoi? Timout, qu'est-ce qu'il en pense quoi, Timout?
Il est où? Timout? Qu'est-ce que t'en penses, Timout? Timout? J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer pour lui. Hey. On est d'accord, non, attends. Quand on arrive, on se tape un McDo de fou. Ouais. Espagnol. Un McDo espagnol. Et une nouveauté là? Non, c'est pas espagnol. C'est Ibiza. Ibiza, c'est espagnol. Non, c'est pas Espagne, c'est Ibiza. Tu t'imagines quand même qu'on a laissé Timout tout seul? Mais tu sais, en vrai, c'est bâtard un peu. Non, attends, parce que genre, moi, on me laisse tout seul à Orly, déjà je panique. On a laissé Timout tout vraiment. Seul. Mais frère, ça va trop bien avec cette musique en plus. Attrape ça. Mick. Ça va trop bien avec le pas attraper. Quoi? Tu l'as pas attrapé. Tiens, vas-y, attrape. Genre, il se jette Timout. Ok. Il a rattrapé Timout. Non, je reste pas, moi. Genre, jamais de la vie, quoi. Le mec, il est en stress. Ça va ou quoi? Non, ouais, ouais. Tranquille. Regarde comment il est rouge là-dedans. Il y a Timout qui va me concentrer et tout. Ça va, Coco? Il va faire un massage Timout pendant. C'est vrai? Souffle dedans. Non, non, non. Calme-toi. Souffle. Voilà, voilà. Ça sent super bon. C'est vrai? Ouais. J'ai pété dedans. Normal, il y a un chewing-gum. C'est vrai? Dans 2 heures, on a Ibiza. Timout, qu'est-ce que t'en penses? Il est... C'est bon. Il est là-haut. Je crois qu'on a compris, les gars, qu'il était pas là. Il y a vraiment... En plus, ça me tue parce qu'ils ont vraiment laissé un trou entre eux deux. Eh mais regarde, en mode, il y a un absent. Ça y est, on décolle, gros. Ça va, c'est incroyable. Souffle. On va dans les airs. Bah, arrête, t'as soufflé trop fort. C'est ça, on stressé. Je suis re-stressé. Je peux faire des blagues sur les cheveux, j'ai été faire un crash. Oh là 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 là, regarde-moi ça. C'est quand même beau la France, c'est quand même beau Paris. Les gars, on est en plein vol là. Juste, pourquoi? Je comprends pas ça. Il dort. Il dort pas comme tout le monde. Toi, tu sais, tu dors comme ça. Voilà, c'est peut-être ça le secret des 7 millions d'abonnés. C'est quoi? Les 7 millions d'abonnés. C'est ça? Millions d'abonnés. C'est parce qu'il dort comme ça en fait. Il n'y a que des masterclass sur ce vlog. Je meurs. J'ai mal à la tête. C'est tendu là. Le mec il a du cul. Mec, on est arrivé. Toi t'as dormi bizarre. T'as dormi bizarre, t'as des positions cheloues pour dormir. J'entends rien. T'as dormi bizarre. J'entends rien. Oh lo 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 lo. Ibiza. 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 Bah les gars, les plans de Ibiza de tout à l'heure, ils étaient faux. Voilà, ne retenez pas ça. Parce que je pense que Ibiza, c'est ça. Ok, donc c'est toujours pas Ibiza. En gros, ça c'est la première île qu'on a vue. C'est celle-là. C'est Menorque. Là, il y a Majorque. C'est pour ça qu'elle est immense. Parce que Majorque c'était plus grand. Et là, il y a Ibiza. Ça y est, on voit Ibiza. On voit Ibiza. 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 Oh lolo. Attends, mais c'est quoi ce rocher de malade? Attends, on est arrivé à 800 à l'heure là. Mec, on est sur une île, gros. On est arrivé. En avion? On est arrivé. Vous aussi, les gars, les aéroports, ça vous fait toujours penser à GTA. Ah ouais, trop. Oui. On est de ouf. Ouais, c'est de ouf. Je suis dans un aéroport, je fais oh, on dirait GTA. Avant, on volait un avion ou pas? Moi, j'attends qu'il y ait dans masse, tu vois. Tu vas voler tes masses, les avions comme dans GTA. En Espagne, c'est 3 étoiles l'avion, je crois. Ah, ça va, en vrai. Wouah, mec, comment il fait chaud. Trop chaud. Ils s'en rendaient même pas compte. Mais j'avais pas vu, mais c'est parce que je me suis dit, je vois pas parce qu'il y a le soleil. Hola. Hola. Oh, j'adore. Hola. Oh, là. Mec, oh là là. Venez, on fait un jeu. Vas-y. Le premier qui récupère sa valise, il choisit sa chambre dans la villa en premier. Oh. Non. Et le deuxième, il choisit en deuxième. Ouais, on fait dans l'ordre des valises. Ça veut dire qu'il y a une chambre, elle est... Parce qu'on on a donné en premier. Et je suis en train de prier pour que ma valise aille. C'est pas la scène. Là, la meilleure blague du monde, il y a Timout qui sort du cul. Oh non, ça serait trop, ça serait trop. Il m'a dit par un message, là, il fait un aller-retour en Bretagne. Il dort ce soir à Paris et demain, il prend la journée plus tôt. Normalement, il y a moyen qu'il arrive à 11h du mat demain. Je prends le en oh, Timout. Ça va? Ah non, je le remplace. Ah merde, c'est pas Timout. Hey, j'ai cru que c'était Timout qui nous rejoignait. Putain, on était sur la mauvaise file. Mais vous êtes trop cons. Oh, elles sont là. Normalement, je vais être là, ma valise. Oh. C'est ma valise? Quoi?
arrête de mentir. Genre là. C'est ma valise, frère. Oh le la bâtard. Vie. Oh. J'ai la chambre en premier. Ah bah moi je l'ai en deuxième les troisième. Gars. Après faut faire gaffe parce qu'ils vont pas regarder là-bas. Oh Kevin a sa valise. Et si il l'a choisi en dernier. Oh non. Ah bah non, celui qui l'a choisi en dernier c'est Timout. Ah, il a pris la valise. Non. Non, arrête. T'as pris la voiture, Michel. La voiture, c'est votre valise. On a la même. J'ai la même. Ah bah oui, parce que je t'ai fait la prendre. Je me suis dit, là, c'est pas grave. Du coup, je peux faire une photo, c'était en bas. Ah bah vas-y. Ah, t'as fait très. Ah ouais, c'était calculé. Exactement, c'est ça. Ok. Non, y'a pas de problème. Battle des perdants là. Entre Sun, j'ai le Sun. Alors moi, je l'ai récupéré, mais dans un sale état. Jure. Mais non. Tu peux voir. Ils me l'ont arraché, le bordel. Oh le pire. Et si, il est cinquième. Ah, ça vient de fermer. Et Stéphane, il a pas son sac. Okay. Attends, arrête en fait, ça a vraiment fermé et c'est vraiment notre pile. Arrête de mentir. Mais là, c'est WAM. Ouais, c'est ça. Si ça se trouve, il y a un mec qui l'a fait comme un WAM. Arrête de mytho. Eh les gars, c'est une catastrophe ce voyage. On perd Timout. C'est n'importe quoi. On perd la valise d'Esteban. Qui sera le prochain? Peut-être toi. J'invoque la valise de Timout. Tué. On a encore perdu un élément. Bon bah les gars, Esteban pas de valise d'Esteban, il est dégoûté. Et je pense que, en vrai, je pense qu'on va la récupérer mais dans quelques jours. Ou alors elle est bloquée à Paris. Oh la dingue. Oh là là, frérot. Ça y est, on sort seulement de l'aéroport avec cette histoire de bagages. À peine, ça fait 3 ans qu'on est à l'aéroport. Mettez dans les commentaires les habits que vous voulez qu'on achète pour Esteban. Attendez-moi. On va découvrir la voiture. On va découvrir la voiture. Let's go. C'est elle. Mais wesh. C'est cette voiture, gros. Notre bolide pour Ibiza. Non, en vrai, bien sûr qu'il y a la clim, gros. Ibiza, bang. C'est dingue, il y a deux places, c'est dans le coffre. Mais oui, c'est cool, hein. Si Mouti va aller dans le coffre. Si Mouti va aller dans le coffre, fort. Fort, fort. En plus, c'est moi qui choisis ma chambre en premier. Ah, c'est vrai, ça. Eh oui, j'ai pas oublié. On va pas m'arnaquer. Alors, c'est 4 pneumotrices. 367 chevaux, c'est un vrai bolide. Je me saoule. Un vrai bolide, mon gars. Oh, regarde-moi. Et Stéphane a retrouvé sa valise. C'est faux, c'est ma valise de caméra. Cet intérieur, s'il est pas méga spacieux. Fais voir le. Moi, j'adore. Voilà, space. Il y a de l'espace, il y a de l'espace, il y a de l'espace. Non, c'était écrit 198. Eh, mais c'est dingue, on entend de ouf les criquets. Ça va être trop bien pour dormir, ouais. C'est reposant, ouais. Oh mon gueule! Ça va pas être bien. Attends. Oh là les gars. Là on suit le gars qui nous donne les clés. Du coup là c'est imminent. Les gars on est dans. Là on est vraiment dans la forêt. Mais hein. Ouais, c'est la savane ou quoi? Bonjour. Hola. Hola. Bon ouais, on sort le valise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue les gars. Oh là. La villa. Attends, oh l'intérieur. Oh là là. Oh là 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 là. Attends. Oh là. Je suis en premier. Mec, c'est trop propre. L'entrée, elle est incroyable. Mais ouais. Alors là. La cuisine. Ah là, je crois que c'est la chambre qui arrive. C'est la master room. Oh mais ok. La master room. Oh ouais. Non mais en vrai les gars, toutes les chambres sont incroyables. Ah elles sont belles. En vrai, toutes les chambres sont. Elles sont belles. Les chambres. La piscine. Oh l'ensemble de baiser, on peut l'utiliser? Ouais. Bah oui. On peut utiliser un. Oh, alors ah ça oui. C'est d'art. On a Ibiza, s'il n'y a pas d'enceinte, c'est pas drôle. Oh là là là. Ah, j'aime bien ces petits salons de jardin comme ça, la trampoline. Ah, oui. Mais attends, coin de détente. Elle est là ta chambre. Mais wesh. Oh mais j'adore ces coins. Oh, j'adore les coins là. Mais hey, c'est trop d'art parce qu'en fait il y a des activités. Il y a trampoline, il y a basket et là-bas il y a des ballons. Bah c'est bien, on va pouvoir faire une épreuve de survie. Ouais, genre tu vas dormir genre là-bas et tu essaies de survivre. Non. 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 Elle est fraîche mais elle est bonne. Mais tu rigoles, elle est trop bonne. Elle est fraîche, elle est méga bonne. Imagine, tu le pousses à l'eau, il a pas de rechange. Ah ouais, j'ai envie de te. Eh, par contre les gars, on va passer les vacances de deuxième. Non, mec là, il nous a régalé sur la villa. Les gars, on applaudit Michou. Pour cette régalade. Ça y est, pour cette régalade. Allez vous abonner à sa chaîne, je vous dis, il commence, il a besoin de force. Et la teuf peut commencer. Oh.
Ils sont clairement derrière la porte en mode aimé. Les gars, je crois que j'ai choisi ma chambre. Oh, toilette les gars. T'as la ref. Pour avoir la ref les gars, c'est sur le vlog en vacances dans le sud. J'ai choisi. T'as pris quelle chambre? Je prends celle là-bas dans le coin. Ah ouais, elle est décorée et tout, elle est pas mal. T'as un dressing intégré toi? Ouais. Dans la chambre. Ouais bah moi mais... t'as vu celle où j'avais fermé la porte, je vais prendre elle. Mais j'ai la seule chambre qui a la télé regarde, les gars. Regarde le dressing de ouf là. Ah tu vas mettre là tu vois t'as un bon dressing. Ouais mais moi dressing dans la chambre c'est encore mieux gros. Ouais, je pense ça hein. Bah honnêtement ça nous va à tous les deux. Ouais. Donc il. Eh ma Kev, Proba tu sautes dans la piscine. Alors je veux bien sauter dans la piscine mais je me dessape avant. Proba 3, attends, il a dit Proba 3 qui saute dans la piscine. Ok, 1, 2, 3. 3. Oh, bah tu sautes frérot. Non, attends, mec. 5 secondes. Par contre faut pas que je meure. Attends. Ah. Non mais mec je peux me faire une brûlure vraiment. Oh j'ai pas filmé. Oh non. La filme. Elle est trop. Faut que tu recommences. Bonne. Non mais... Mec et si j'ai une brûlure bon, allez. Attends. 1, 2, 3. Ah. Ça fait trop mal. Oh merde. Ça va péter mec ça bip. Il est monté derrière l'enfant. L'ex de McDo. McDonald's Ibiza les gars. Tu crois qu'il y a des t-shirts I love Ibiza dans le Lidl? Oh je sais pas. Est-ce qu'il y a des t-shirts I love Lidl? Est-ce que tu penses qu'il y a des t-shirts I love Pewer? Il y aura personne. J'avoue il est 17h. C'est vrai c'est qui régale? Oh, l'anniversaire c'est pour qui? C'est pour moi? Bah c'est toi tu filmes. C'est pour moi il y a l'anniversaire. Hola. Regarde c'est marrant. Vertigo. Hein ouais, le vertigo. Attends, les burgers ont l'air incroyables. Hein. Il y avait un vertigo. Les burgers ont l'air incroyables. Slipe. Moi, j'en ai un jeu et tout. Merci Slipe. Les gars, il y a l'air d'avoir des trucs de baiser. Hein. C'est Beckham. Burgers et mais ouais. Attends, il y a des burgers avec des cheddar sticks dedans. C'est quoi dedans? C'est quoi ça? C'est quoi ça en dessous? C'est des cheddar sticks, ouais. Grand Mac extrême double bacon. On prend tout. Mais c'est les trucs à moitié, c'est vraiment les stéréo mélange. C'est servi. Merci Sly. Ouais. Merci Sly. Du coup on a pris des trucs de ouf en plus avec des suppléments cheddar et tout. Les burgers c'est du Mac. Et bah Mac extrême. Du grand Mac extrême. Mais regarde moi ça, il y a deux steaks et il y a encore des trucs en dessous et du bacon et tout. C'est une dinguerie. Ça s'arrête jamais. Du glace, on a pris. On s'est fait plaisir sur ton compte hein. Quoi? Moi c'est fantastique. Moi c'est tomate. Bon appétit. Regardez moi ce burger. Mais eh ben, Trick Cheddar, faut que ça existe en France, gros. Oh là. Dingue. Oh le banger. Et je vais goûter ça, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? C'est du Gouda Sticks. Mais... ça fait du bien. Hein. Ah vraiment? Moi perso, j'ai pas déjeuné en partant. Et à part de l'eau que j'ai bu en rafale. Mais j'ai pas mangé depuis hier soir. Dans le train? Je pense que c'est un des meilleurs burgers de la dans des jardins. Ah ouais? Oh my god. Allez, le gros croc. En vrai, maintenant. T'as testé devant tes. Big burger, big crow. Alors il fait des bisous. Alors c'est incroyable. Coca bien frais chacal. C'est parti pour les courses. Moi j'ai un gant dans mon caddie. Un tuning caddie, c'est un tuning caddie. Alors qu'est-ce qu'on prend? C'est bon, elle est là. Attends, parce que j'ai appris un truc. Les pastèques les plus sucrées, c'est celles qui ont le plus de taches. Oui, il y a un barbecue. Eh les gars, on va préparer un barbecue quand même. Ça dépend, frère, il y en a deux. Il y a deux barbecues. Il y a deux barbecues. Il y en a un petit. Et bah du coup, on fait deux barbecues. Viens, on choisit une tenue pour Esteban. Ah mais oui, c'est vrai. Là, il a pas de sable. Mais même moi, il me faut des caleçons. T'as aucun vêtement. Et je suis de la bichon, frère. T'as un cadeau pour toi. On a retrouvé ta valise. C'est qu'en vrai de vrai, ça me fait trop plaisir. C'est vrai? Non. Bah frère, ça y est, je t'offre un short de bain, frère. Mais... ok, j'avoue, j'ai envie. Les gars, non mais attendez. Oh, y'a Timout. Timout. Mais wesh. Mais attends, c'est improbable. Mais wesh. Mais en vrai, c'est improbable. Mais en fait, on a un Timout de substitution. Timout, il nous aura vraiment accompagné pour ce vlog. Putain,
putain. Si on veut aller à Aldi là, on va chercher des sapes. Attends, attends, il y a des sapes. Ouais, mais c'est encore que des maillots de bain, frère. Mais ici, ils traînent en maillot de bain, les après, gens. Après, en vrai, ouais. Tu prends 7 maillots de bain, c'est bon. Plusieurs shorts. Il y a une bouée de mecs. Après, je vois mal se balader en polo. En polo, là, la température qu'il fait, non. En vrai, à la ville, là, tu traînes torse nu, puis c'est tout. Bah oui. En plus, frère, t'as des abdos, gros. Les gens qui regardent le vlog, ils vont kiffer. Ouais, tu vas faire kiffer. Allez, c'est parti. J'avais des habits trop beaux. Il avait pris ses meilleurs sapes pour Ibiza. Frère. Et là, bah, il se retrouve à poil. Pourquoi il y a que des couvertures? On fait vraiment le tour de tous les magasins. Oh, oh, oh. Mec, allez, vas-y, disparais. Eh, mais Mich, il est où, Esteban? Mais merde. Mec, il est où, Esteban? Mais t'es où, toi? Eh, vous êtes des enfants. T'as acheté quoi? T'as acheté le casque? Non, alors, le bilan, j'ai pris le chapeau pour Timout, il aura pas le choix, il va le porter. Gros, je l'ai acheté, donc il va l'utiliser. On a un petit ballon de plage et un masque pour Sly, de un peu Gorille. Ouais, c'est et là, il y a un nouveau hyper. Oh, il y a des chapeaux et tout. C'est bon, c'est sûr. Oh, il y a des chapeaux. Les gars, c'est sûr, il y a des chapeaux. Il m'a pas l'air d'avoir de. Ah, voilà. Il m'a pas l'air d'y avoir des tenues. Si, c'est certain. Oh, quoique. Oh! Ah oh, y a des sapes. Mec, j'ai jamais été aussi content de voir des t-shirts moches. Oh, Esteban, oh là là, là t'as des belles tenues, regarde. Non. Attends, hey, je crois que t'as des slips là-bas. T'as des calbutes à 3 balles. Oh là 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 là. Là t'es bien là. Là t'es bien là. Là oh, t'as des calbutes à 3 balles. Bon, bah les gars, vous allez nous montrer. Vous allez nous montrer ce que vous avez pris là. Ouais. Attends, je vous aide à décharger quand même. La déchargeance. Oh, y'a des fruits. Oh, y'a des fruits. Je me spoil carrément. Bah, ça, de toute façon, vous savez. Hein. C'est quoi ça? C'est de la limonade? Ah non, c'est de l'eau. Eau minérale. Oui. Trop bizarre, l'eau. Oui. Toi, tu sais ce que t'as pris. Oh, mais j'ai moi, pris je un truc, pas une surprise. T'as pris une surprise? C'est mon rêve depuis enfant. Ouais? Ouais. C'est un truc de ouf alors? Ouais. Bah, viens, on va voir. Non! Ok. Non, mais non, tu fais de la peine. Non, là tu me fais de la peine. Allez, viens, on va voir. Viens. Ok. Allez. Viens, je te passe. Vas-y. Ça, c'est la surprise, tu regardes pas. Ok. Ok. Ouais, tu regardes là. Regarde pas. Ah, c'est la surprise ça. Alors, on a pris des chips parce que. Ça, c'est la surprise ça. Non. Ah. C'est des chips. Du pain français alors qu'on est en Espagne. Il est un peu dur. Des pommes parce que les pommes hyper bien. Des pâtes parce que les pâtes. Qui aime pas les pâtes? Qui aime pas les pâtes? Moi. Ok. Non, du riz. T'aimes le riz? Ouais, j'aime bien du riz. Bah voilà, qu'est-ce que tu me fais? C'est à côté de chez moi du riz. Parfait. Encore des chips. Doritos, c'est la spécialité quelque part dans le monde, mais pas ici apparemment. Ok. Une pastèque. Arrête, hein. Ça, on va se. Bonne pastèque. Des pommes. D'accord. J'adore les. Du lait, c'est du lait? C'est oui, du lait? C'est du lait. Tu sais, genre les vaches? C'est pas du lait, c'est du lait. Oh, mais putain, mais le frigo il est rempli! Il y a un barbecue. Attends, mais le temps que j'ai été chargé de. Là, il y a l'eau. De trucs et tout. Alors, mais ouais, la bouteille. Ça, on a un peu peur. On a un peu peur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que généralement, quand il y a ça, c'est-à-dire que l'eau est pas trop potable ici. Généralement, bah, il y a peut-être des exceptions, j'en sais rien. Ouais. Charcute un peu partout là, parce qu'il y a un barbecue. Attends, je peux voir. Oh, ramon, c'est le ramon. Mais ouais, t'as vu le ramon? C'est le ramon. Le ramon, comment ils l'ont plié? Ramon, on a pris des boissons. Des saucisses. Bam. Il y a. Attends. Il y a rien là. Ok, là. Y a... Mais là, il y a des glaces. Déjà, attends, ça c'est. Des magnums. C'est pas une magnum. Ça c'est des. Tu sais, c'est des boules au stick mozza. C'est pas une idée. Est-ce que la surprise que t'as toujours voulu rêver avoir? Papier toilette Spider-Man. Mais non. C'est une dinguerie. Attends, j'avais pas vu que c'était du Spider-Man. J'avais pas vu que c'était du Spider-Man. Là. Viens, on l'ouvre tout de suite. Non. Non. Attends, c'est Spider-Man, mec, faut l'ouvrir. Non. Le temps que vous avez fait les darons à acheter des pâtes, etc. Ouais. Ça, c'est pour Timout. Vous avez fait les C'est pour Esteban. Non, c'est pour Esteban. Esteban. C'est la bonne taille, moi. Parce qu'il avait plus de claquettes. Oui, c'est du bon. Et plus de claquettes. Il a des caleçons loin. Ouais. Bah oui, moi aussi. En fait, j'ai oublié mes caleçons. Il a bien plus que moi. Donc les M, c'est rien les miens. Non, celui-là, tu vois, ça, c'est par exemple, c'est le caleçon d'Esteban. C'est encore une autre marque. C'est Glinclin. Mais non, mais Glinclin. Glinclin. Mais t'as trop de chance en vrai. C'est du Glinclin. Mec, en vrai, c'est un bec. Ah oui. C'est un gorille tigre. Arrête. C'est un gorille tigre. Attends, on dirait vraiment un gorille tigre. Oh, tigre. On dirait plus ça. Non, pas dans ma chambre. Hey. Pas dans ma chambre. Il est gros. Oh.
Je crois qu'il est par la fenêtre. Il est sorti par la fenêtre. T'as pas vu un gorille tigre? Il y a un gorille tigre là-bas. Mais ça fait peur un peu, hein. Il a été dans ta chambre. Il est sorti par ta fenêtre et tout, gros. Let's go à la piscine. Oh, le charisme. Look at the fish. Oh, le bâtard. Oh, merde. Ah, elle va me taper. Elle se fait, mais lui, les buisettes sur la tête, comme ça, il a toute la merde dessus. Ah. Ça dégoûte. Par contre, tu vas le noyer, là, non? Tu te mouilles la nuque avant d'aller dans l'eau. Bah, carrément, mon grand. Oh. Oh, le bâtard. Oh, il va se tuer, oh, il va se tuer. Le plat. Je mettrai un 2 sur 10. J'appelle Timout en FaceTime. Je veux quand même qu'il partage cette soirée avec nous. Ouais, qu'il kiffe, quoi. Voilà, exactement. Tu veux lui partager le kiff pour qu'il kiffe. Oh. Ça dit quoi, le boss? Et alors, gros, ça se passe bien ta journée? J'ai fait 8h de train. 8h de train. Mec, en vrai. En plus de ce qu'il a eu ce matin et tout. Pour une carte d'identité, ça casse les couilles. Hein. Timoth, gros, il était dépité, frère. Les criquets, ils viennent de se réveiller. Ce son, mais c'est insupportable. Par contre, les gars, est-ce que ce serait pas le moment de préparer un prank pour Timoth demain? Oh. Les gars, on est tous là. Le pire, c'est que le vlog il va sortir à 18h. Ouais, les gars, sachez que les vlogs, ils ont un décalage en mode. Là, la journée que vous voyez, genre c'est sorti à 18h, bah en fait c'était hier. Faut préparer un prank. Un gros truc de bâtard. Mais je te jure, faut qu'on trouve une idée, faut qu'on se concerte là. J'ai une idée. Oh, le prank de l'année. Oh là, le prank de l'année. J'ai une idée de sa mère. Il arrive, vous lui faites visiter toute la villa. Moi, je me cache là, derrière le mur, avec un caillou. Et dès qu'il passe la porte, je lui jette la gueule. J'adore l'idée. En vrai. Mais c'est un meurtre. Attends. J'ai une idée. Les gars, mec, c'est un meurtre. J'ai une idée. Ok, bon, une autre idée alors. On arrive. Une autre idée au cas. Ok. Timout, il est là et tout. Tu mets la valise dans le coffre. Ok. Dans le coffre. La valise à qui? À Timout. Ok. La valise à Timout dans le coffre. Ok. Toi, tu le fais visiter tout. Et nous, on cache la valise. On dit, on a oublié à l'aéroport. Oh, t'imagines. En vrai, c'est une bête d'idée. Mais en plus, il va péter un plomb. Ouais, vas-y, c'est impossible. Qui va le chercher à l'aéroport demain? Tout le monde? Tout le monde, non? Et bah, dans ces cas-là, ouais. Faut qu'il y en a un de nous qui prenne sa valise. Oui, t'inquiète, je la prends. Et les gars, il faut qu'on, à l'aéroport, on le lâche plus. En mode, on lui parle, on lui dit, oh, la villa et tout machin. Pendant ce temps-là, il y en a un, il prend sa valise, il la met en secret dans la voiture, on taille. Et il faut qu'il monte à l'avant. Comme ça, il pourra pas vérifier sa valise, elle est dans le coffre. Oh, c'est parfait. C'est bon, on a notre prank. Les gars, demain, on prend Timout. J'ai déjà hâte. Il va revenir de sa journée de merde. Non, ça va, on va juste lui faire croire qu'il a. En vrai, ça va. Mais t'imagines le moment où il va se dire, ma valise, elle est à l'aéroport. Oh, le premier panier de la villa. De quoi? Le panier. C'est d'ici, je peux le mettre. Ah. Non, bah alors là, tu le mets d'ici? Écoute-moi, je dors dehors tous les jours de la semaine. Donc tous les jours sauf le samedi. Non, plus à droite. Ok, c'est un échec. Il y a deux paniers. Hein. C'est un vrai échec. Hein. Tu te sens chaud là? Ouais, voilà, exactement. Là où tu regardes. T'as le sang chaud. Oh! Mec, en vrai, t'es pas loin. Eh, pardon, je veux que dans un des vlogs qui sortira un jour, tu rentres le trix. Oh, Brésilienne. Wesh. Brésilienne, les gars. Brésilienne, avec lui, c'est impossible. Avec le ballon, là, le ballon. Si, c'est possible. Mais si, c'est possible, justement. Mais c'est plus facile avec ça, même. Voilà. Oh. Oh. Oh non! Celui qui l'a fait tomber saute dans la piscine. Non. Oh, attends, mais tu vas vraiment? Attends. Wesh, mais attends. J'attends là, gros. Oh! Gros, je veux que tu fasses un move, tous les abonnés sont impressionnés. Mais je sais pas faire de move de ouf. En vrai, des vrais. Trois sales carrières d'affilée. Non. Attends, en vrai, je sais faire un seul saut. Oh, pas mal. Vous savez que Purée a essayé de m'embrasser dans la voiture? Quoi? Mais oui, j'ai pas mis de vous deux. Voilà. T'as pas mis toi? Quoi? Regarde, si je mets, je t'embrasse. Oh, tu l'as mis? Je l'ai mis tout à l'heure.
Allez, c'est bien. On va se faire à manger. On va se faire de la graille. On va manger des pommes. On fait quoi comme repas ce soir? Une pomme. Bah parfait, mon ref. Let's go. En vrai, les gars, je crois que en gros, comme on a mangé McDo à 18h, on a tous la flemme de faire un gros repas ce soir. On est tous KO sa mère. Est-ce Frère, je pense que tu schlingues les pieds. Oh, quoi, le mec, pompes. Le mec, elles sont en train de manger tes chaussures, ça, frère. Ça sûr, c'est du sucre. Non, il y en a pas une. Arrête. Mais wesh. Mais. Hein. Mais. Bon, les gars, vous avez kiffé le premier vlog ou pas? Est-ce que c'était cool? Est-ce que vous avez passé un bon moment? N'hésitez pas à dire dans les commentaires, selon vous, comment on pourrait l'améliorer aussi. Parce que. Bah c'est intéressant, puis ouais, c'est la première fois qu'il fait ce genre de vlog. Là les vlogs ils sortent vraiment en J+1 les gars. Donc force au monteur et j'espère que ça va vous plaire. Du coup les gars, vous avez capté, demain 18h, grosse aventure Ibiza qui continue. Et après demain 18h. Et voilà, vous abonnez, vous pouvez mettre un petit commentaire pour donner votre avis et tout sur les vlogs. Et puis j'espère que vous avez kiffé cette aventure. Sur ce, merci à le Mich qui sponsorise cette vidéo. À demain les gars. À demain. Un max de likes. Tellement fatigué que mon outro est craqué.